Petite vidéo, petite présentation de l'Actor Bot. Alors, petit bateau déjà, il est super léger. Hop, témoin de batterie. Sur une petite pêche à deux cannes. Bon, la première partie, je ne l'ai pas essayé très très loin. Deuxième partie, je vais essayer de me rapprocher un peu plus des obstacles. Essayer au moins de toucher un poisson. Alors, petit amorçage chaîne vie, ici on a un deuxième compartiment. Mettre les appâts un peu plus secs à l'arrière. Sur ce modèle-ci, l'image se trouve juste ici au-dessus. On a une petite télécommande qui est super sympa. On peut manipuler à une main, tenir l'autre main à canne, c'est l'avantage. Oh, Aro, tu peux filmer. Allons-y. Plusieurs sélections de vitesse. On a trois positions de vitesse. On a un petit bip sur la télécommande qui nous avertit qu'il se met en position automatique. Ouh. Prends-le en vidéo, lui. On va se déposer près des obstacles. Voilà, pour mes largages de trappe arrière. Hop. Et largage de trappe en deux. On doit avoir à peu près 1,50 m de fond. On programme son retour automatique, temps de placer la canne. Le petit bip pour nous dire qu'il revient bien. Une bonne présentation des trappes. La trappe arrière, elle se referme à la main. On bascule le cerveau. On pousse sur celle du milieu. On appuie sur le bouton-ci. Trappe du dessous. Sur le bouton-ci. Trappe arrière. On a un petit bouton pour allumer la petite LED avant. Hop. Éteinte de la télécommande. On a un petit bouton pour le recentrer, mais ça sert quasi à rien, parce qu'il est toujours bien centré. Hop. On repositionne. Témoin de batterie. Hop. On appuie ici au milieu. On appuie ici pour éteindre la télécommande.